souplesse à les poignets. Ça, c'est très, très important. Et puis, ça se travaille, les épaules, les muscles, parce qu'il y a des mouvements qu'on ne fait pas dans la vie normale. Il y a ça tord partout. Dans ce drapeau, à haut niveau, c'est du sport. Hein. C'est mental, c'est physique, c'est complet. Jusqu'à présent, il n'y a jamais un drapeau qui restait rond. Ça descend toujours. Des fois, on chope sur le nez. On m'a dit que si tu chopes le drapeau sur le nez, t'es un bon lanceur. Alors ça veut dire qu'il revient toujours là où il faut. C'est un hobby. Et puis on fait des concours. Oui, il y a pas mal de souvenirs avec ces championnats. Ça fait pas longtemps, on a déménagé. Et puis je sais pas encore où je vais les mettre. Parce que ma femme, tu veux pas mettre tout ton chenille. Et puis j'ai dit, ouais, on verra si je trouve encore une place pour mettre quelque part quelque chose. J'ai commencé à lancer le drapeau à 12 ans. Une famille qui était très folklorique. Et puis moi, j'avais pas l'oreille de musique, comme mon père, comme mes frères. Alors, si c'était pour faire la musique, il a dit, mon père, non, non, toi, tu peux pas jouer par cœur, tout ça. Puis c'est le voisin qui lançait le drapeau. Alors, il est venu tout de suite, il a dit, tu veux pas lancer le drapeau? J'ai dit, ouais. Et puis on a commencé à s'entraîner comme ça. Ça, c'était le Vendre Preis, premier challenge suisse romand que j'ai participé la première fois, je l'ai gagné. Alors ça, c'est des trucs qui restent. Ça, vous êtes la première fois devant les quatre juges, vous êtes tout seul dans un petit rond de 60 cm. Alors vous êtes là, alors les pantalons, ils ont dit, eh ben dis donc, t'as secoué tes pantalons. J'ai dit, oui, je tenais presque pas debout, ça c'était nerveux. Je ne suis qu'au début, je suis un débutant, j'ai peut-être pas autant d'expérience que Kurt Welton. Il a été champion, c'est un honneur de profiter de ses connaissances. C'est une de mes passions, le lancer de drapeau. C'est peut-être mes origines bien fribourgeoises qui coulent dans mon corps, dans les veines. Et puis entre le grand-papa qui est fribourgeois pour la patois, et puis j'aime bien quand même un peu la culture comme ça. Et c'est peut-être ce qui m'a fait crocher un petit peu. Avec le fribourgeois devant l'école. Les enfants, ils disent, c'est quoi comme un drapeau? C'est une équipe de foot, etc. Je dis, oh, bah, faut retourner au cours de géographie, quoi. Alors, bonne matinée! Salut, bonne matinée! À tout à l'heure! Salut, à tout à l'heure! Quand on sort le drapeau, tu fais du drapeau suisse, mais ça sert à quoi? Comment t'es arrivé là? C'est toujours la question intrigante. Oh, puis c'est vite fait. Les jeunes que je reçus à l'école me demandent, mais ouais, tu fais du jonglage, ouais, c'est facile. Bah, je leur peinte le drapeau, bah, c'est pas évident non plus. Oh,
au début, j'ai eu ce qu'on appelle la croix suisse au tir au fusil d'assaut, mais j'ai eu un retour de bâton où je me suis pris le bâton juste en dessous de l'œil et j'avais un coquard pendant une semaine. Et ça fait rigoler quelques-uns, quoi. C'est pas tous les jours qu'on peut s'entraîner dehors. Il y a du vent, il y a de la pluie. Et donc c'est à cause du vent si vous lancez le drapeau d'un côté et puis que vous le récupérez 10 mètres derrière. Parce qu'on monte, on doit quand même, le drapeau doit quand même monter 6-7 mètres au-dessus de soi. Il y a 2-3 longueurs de personnes. Donc c'est pour ça qu'on a déjà une salle de gym de 8 mètres de haut. Alors Claude, ça c'est bien. Comme tu fais là. Tu prends tout ton temps là. Hein? Tu viens là, là au milieu, puis ça part. Mais le dernier coup, quand il est là au milieu, c'est bien. Mais après, tu pars avec le bras comme ça, au lieu de droit. Voilà, droit, droit. Ouais. Bien. Comme ça, il est bien ouvert. Et là, il a le temps d'exploser. Il faut en plus le piquer. Kurt Welton, il a toujours l'œil intrigant. Si je suis encore un peu trop grossier, il va dire la petite finesse, il faut juste lancer un petit peu plus tard, etc. C'est là parce que lors des compétitions, c'est pointilleux et on essaie de corriger directement, avoir le bon geste tout de suite. Ah, il faut le piquer un petit peu. On va un petit peu expliquer les jets, comme ça se produit tous un petit peu à Suisse allemand, comme le Pilatussteg, le Riegehoch, le Bürgerstock. Alors, toi, tu connais bien le Bürgerstock, alors tu me dis un petit peu comme c'est. Moi, je dis, c'est, ouais, c'est le casse-épaule, quoi. C'est le casse-épaule. Alors, c'est le casse-épaule parce qu'il est... Celui ouais. Qui fait comme tachon. Ouais. Top en dernier. Alors, c'est double assiette en dessus de la tête. Alors, il y a plein de choses comme ça. Il y a aussi le Rückensteig, que toi, tu as baptisé le garde-à-vous. Ouais. Alors, c'est... Non, non, ah, c'est derrière, là. C'est ce qui pose. Garde à vous, garde à vous. Hop. Et voilà. Nous sommes dans la maison Heimgartner qui se trouve à Wiel, dans le canton de Saint-Gallen, qui fabrique des bannières, des drapeaux à lancer. Ça se vend très bien. Ça se vend surtout dans la Suisse alémanique. C'est une soie spéciale qui est très légère, qui se lance très bien.
C'est pas tout à fait du rouge. Ça veut dire pas comme du rouge suisse, du rouge rouge. Il y a un petit trait d'orange dedans. Il faut couper ce qu'on n'a pas besoin de la croix blanche pour que ça se présente comme un effet vitrail. La croix est un peu plus petite, mais proportionnellement, c'est la même croix que sur le drapeau suisse. Comme ça, on voit toute la croix pendant le lanceur lance ce drapeau. Quand j'ai commencé à lancer le drapeau, j'étais la seule femme dans ce milieu. Il y a eu une valaisanne avant moi, mais elle a vite abandonné. Entre-temps, nous sommes une quinzaine à nous entraîner régulièrement. Pour ma part, je n'ai jamais eu de remarques négatives de la part des hommes. Mon club m'a toujours beaucoup soutenue. Bien sûr, il y en a toujours eu qui étaient contre les femmes qui lançaient le drapeau. Ils n'avaient pas vraiment de bons arguments. Le grand problème était le costume folklorique, qui est obligatoire en compétition. Ce n'est pas possible de faire certains jets en jupe, ce qui signifiait que les femmes devaient porter des pantalons pour participer. Et là, les hommes s'y opposèrent. Moi, je n'aime pas porter des jupes, donc je suis toute contente de faire mes compétitions en pantalon. J'ai fait ma première fête de yodel en 2009. Je me rappelle que je transpirais énormément et je me suis demandé pourquoi je m'exposais autant. Il y avait plein de gens qui étaient venus exprès pour voir la première femme qui osait se présenter. Si un homme débute, ça n'intéresse pas autant. Et bien sûr que je ne voulais pas avoir honte, faire honte à mon club et surtout pas aux femmes en général. Mais j'ai assez bien réussi. Au début, je m'entraînais et je faisais les compétitions avec mes habits de tous les jours. Ce qui fait que l'on m'a toujours déduit des points pour la présentation. Ensuite, on m'a dit qu'il fallait au moins porter une blouse folklorique. Et j'ai trouvé celle-ci, qui me plaît toujours. Ce week-end, il y a la fête du yodel à Rotrist. Et j'espère qu'il fera beau. Je me présente en duo avec mon partenaire d'entraînement. Le lancer de drapeau est un hobby, mais aussi une passion pour moi. J'investis beaucoup de temps pour l'entraînement. J'adore les fêtes de yodel parce que c'est des événements très joyeux. On chante toute la nuit. Et on a du plaisir à retrouver chaque fois les mêmes personnes.
les règles pour la compétition, donc vous avez un cercle de 60 cm, vous devez être à pieds joints, on doit surtout pas, des fois quand on est débutant, sursauter, décoller les talons, déjà simplement marcher. On part avec un total de 30 points et par rapport à la faute qu'on va faire, ils nous déduisent des points. Et après, le total des points va nous mettre dans une certaine classe. Der letzte Vortrag vor der Mittagspause zeigt uns der Claude Dornard von Genf aus dem Westschweizerischen Jodelverband. Ich wünsche viel Glück. Bon, mes grosses erreurs, c'est que je fais chaque fois une double prise. Je lance le drapeau et je ne rattrape pas directement le drapeau en bonne position. Si vous voyez, quand je tourne le drapeau comme ça, il y a un petit à-coup. Et ça, l'œil averti le saura. Il le voit. Après, c'est bon, y a tenue, costume, le rythme et que ça soit coulé. Faire de l'amplitude avec les mouvements pour que le drapeau soit bien déployé, qu'il flotte bien dans l'air. Le tempo, ça a été. Il y a juste, je suis sorti, j'ai marché deux fois en dehors du cercle. Un petit peu de salade, c'est bien. Les conseils de Kurt, bien regarder où fallait lancer. Et bon, il y a deux marchés, et puis hein, j'ai repris sur la droite, là c'était pas trop bon. Mais ça devrait faire une classe de j'espère. Ce sera bien. Vom Nordwestschweizerischen Verband, vom Ferna Westbacher, vom Frauenfeld, sie gehört am Nordwestschweizerischen Verband. Le lancer de drapeau est un vrai sport qui demande beaucoup d'entraînement. On n'a pas seulement besoin de force, mais aussi de technique, de souplesse et de concentration. Il faut vraiment se focaliser sur le drapeau pendant l'épreuve et faire abstraction des juges qui nous observent. C'est très varié parce qu'il faut faire chaque exercice de la main gauche et de la main droite. Je suis très heureuse. Maintenant, je vais profiter de la fête. J'irai au village pour écouter les yodeleurs et les cors des Alpes. Et peut-être que je lancerai même un peu le drapeau dans la rue.
Arbeit? Ich arbeite mit alten Leuten. Ich gucke, dass denen gut geht, dass sie schlafen können in der Nacht. Ja. Und die Nacht? Nur in der Nacht. Oh ja. Nur in der Nacht. Wie schwach? Das ist so schwach. Das ist so kein Problem. Ich kann gut schlafen am Tag. Ich schlafe auch nur kurz. Zwei, drei, vier Stunden. Oh, nicht für mich. Nichts. Mann, schönes Wetter. Ja. Guten Appetit. Bitte, Gerard. Ja. Suisse, il doit flotter dans l'air, il doit être bien visible. C'est la tranquillité suisse qui flotte dans les Alpes. J'aime bien faire de la publicité pour mon hobby. Et je trouve important de montrer aux femmes que nous pouvons aussi lancer le drapeau. Ce n'est pas une question de force physique. C'est le plaisir de bouger et d'arriver à maîtriser le drapeau. Die Gedanken an Herrgott danken.